Bonjour à tous, bonjour à toutes, me revoici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est les choses que tu peux contrôler. Alors, les choses que tu peux contrôler dans ta vie. Tout ce qu'on peut contrôler sur nous-mêmes, sur notre corps, nos pensées positives, nos pensées négatives. Donc, quand on a des pensées négatives, il y a des solutions pour éviter toutes sortes de ruminations. Ben, il y a la méditation, il y a le yoga, il y a différentes choses comme ça. Après, les choses qu'on peut contrôler, c'est qui rentre dans ta vie, qui sort de ta vie, les gens que tu as envie de garder dans tes amis et ceux que tu n'as pas envie de garder. Ben, tu peux très bien leur faire comprendre si ça va pas, ben voilà. À qui demander de l'aide, à qui tu peux demander de l'aide, ben, à tes meilleurs amis par exemple. Tes habitudes et combien de fois tu te félicites. C'est bien de se féliciter des fois, de se féliciter soi-même, de remarquer ce qu'on a fait de bien. Tes craintes, tes peurs, ben, on a tous des craintes, on a tous des peurs. Même celui qui veut pas l'admettre, il a aussi des craintes, même le plus fort. Changement de vie et début d'état d'esprit. Alors, changement de vie, on peut faire un point sur sa vie, sur ce qui va, sur ce qui va pas, sur ce qu'on aimerait faire, sur ce qu'on aimerait changer. S'il y a quelque chose qu'on aimerait faire, rien n'est impossible dans la vie, on peut toujours le faire, on peut toujours changer d'endroit, on peut toujours déménager, on peut toujours faire plein de choses. Et puis aussi, grâce au développement personnel, eh bien, on peut changer. Changer notre façon de voir le monde, notre façon de faire, et puis ainsi de suite. Donc voilà pour les choses que tu peux contrôler, ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Ceux qui veulent s'abonner peuvent s'abonner, ceux qui veulent se désabonner peuvent se désabonner. La cloche de notification, vous pouvez l'activer ou la désactiver. Si vous l'activez, ben vous allez recevoir toutes mes vidéos. C'est comme d'habitude, voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine. Pour deux vidéos, le lundi la vidéo sur le cinéma et le mardi sur le développement personnel ou sur les pervers narcissiques. Alors voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à tous de me suivre. On est à la 51e vidéo. Merci, merci, merci encore beaucoup à tous de me suivre, de me faire confiance. Voilà, j'apprécie vraiment que vous soyez là. Merci. Merci beaucoup à tous et toutes. Merci.